Faut dire que Camus était algérien presque au sens physique du mot, dans actuelle 3, dernière partie, celle qu'il a écrite en 1956. Il dit bien que, à propos des événements d'Algérie, il dit « j'ai mal à l'Algérie comme d'autres ont mal au poumon ». Cela est très significatif, je crois. Il n'arrivait pas, j'ai l'impression, il n'arrivait pas à voir clair en lui-même. Il n'arrivait pas à voir une issue. Il aimait beaucoup l'Algérie, par conséquent, il était donc algérien. D'un autre côté, c'est un grand écrivain français. Son déchirement concevable pour un homme aussi sensible, aussi juste, aussi intègre que lui. Quoi qu'il en soit, les musulmans algériens, je crois, n'est-ce pas, le comprennent et l'admirent et l'aiment, n'est-ce pas. Nous le considérons comme une gloire algérienne. Et le fait pour lui précisément qu'il se soit cantonné dans ce silence, et pour ce qui nous concerne, je crois que c'est une marque de sympathie, sinon plus, pour nous.